Eh bien salut à tous les amis, c'est Flo de la chaîne Café Gaming, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va très bien, encore, on peut le dire, encore une vidéo sur Medieval. Oui, on va faire un petit tutoriel où trouver le casque de la version démo où dont est cette démo, voilà. Donc alors, où est le casque dont me parlait cette démo? Donc il suffit d'aller là, voilà, donc au moment où Sir Daniel s'est réveillé. Et que voit-on? Le casque de Sir Daniel. Voilà. Hop, nous allons dedans. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas téléchargé, bien sûr. Voilà. Bon, il était. Hop, il est déjà téléchargé, bien sûr. Donc, hop, vous le téléchargez. Et bingo! Voilà, le casque de Sir Daniel est enfin dedans. Voilà. Donc, ce fameux casque. De l'introduction et anecdotique aussi, c'est ce casque hein, hein, pour les versions japonaises. On a eu le droit à ce casque, voilà, que pour la version japonaise. Et donc, c'est vraiment intéressant de l'avoir là dans cette démo. Et on pourra jouer dans la version finale. Donc, je remercie Didine et GG de la chaîne Gaming TV de m'avoir montré cette petite astuce qui m'ont dit que c'était là, voilà. Là, ils vont me dire, mais Flo, mais t'es un noob en fait. Oui, je suis un noob. Donc voilà. Donc sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Et si vous... Voilà. Donc voilà cette petite astuce de ce casque avec Sir Daniel. Hein, voilà. Le Sir Daniel, bien sûr. Hein, Sir Daniel Fortesque. Voilà. Ah putain, pas mal. On peut tourner la caméra comme ça maintenant. Trop génial. Voilà. Mais bon, voilà. Donc sur ce, les amis, je vais vous laisser. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà. Ciao, ciao.